elle est liée à l'histoire de son président, cette histoire américaine, parce que le président, en tout cas en campagne pour être élu, il doit tendre un miroir flatteur aux Américains. Pas forcément un miroir réaliste de ce que sont les Américains, mais de ce qu'ils aimeraient être à un moment précis. Il y a des moments de l'histoire américaine où les Américains, ils s'imaginent un peuple à nouveau de pionniers. Ça, c'est des moments dans l'histoire américaine, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, des moments d'interrogation sur la nation, par exemple, sur où on va en tant que nation. Et à ces moments-là, par exemple, il y a des, besoins, des demandes de virilité. Et par exemple, Theodore Roosevelt, qui est élu au tout début du XXe siècle, il propose ça aux Américains, et les Américains le choisissent. Ronald Reagan, bien plus tard, en 1980, c'est la même chose, à un moment où l'Amérique de Jimmy Carter s'est affaiblie, et où elle a besoin de quelqu'un qui leur vende à nouveau le rêve américain, mais dans sa dimension virile, pionnier. Mais à d'autres moments, au contraire, dans des moments de fatigue de la guerre, d'usure, tout à coup, il y a des endroits, des moments où l'Amérique a davantage besoin d'un président empathique, d'un président qui va offrir d'autres types de valeurs. En général, ça correspond à des élections de président démocrate. Alors, pas toujours. Hein. Kennedy, c'était aussi une présidence forte et virile. Mais par exemple, Bill Clinton ou Barack Obama sont arrivés à des moments où les Américains avaient aussi un besoin d'une présidence peut-être plus empathique, plus cajolante, je ne sais pas comment le dire davantage que ça, plutôt qu'une présidence virile. Et c'est en ça que, quand on regarde un peu les présidents élus, on peut raconter ainsi l'histoire du peuple américain et de son horizon d'attente. Et ça qui est intéressant, c'est pour ça que le livre s'appelle « Le président est une histoire intime », parce que se joue effectivement une histoire intime des désirs en fait profonds des Américains. Là, c'est un livre de poche, et au départ, c'était un brochet il y a quelques années. Et évidemment, j'ai intégré Trump, et Trump, il est très intéressant, parce que Trump, il est souvent présenté comme un ovni dans les médias. On ne sait pas d'où il vient, on n'a jamais vu ça avant, on ne verra plus jamais ça après. Et moi, j'essaie au contraire de montrer à quel point il s'inscrit dans une histoire américaine et comment il arrive à un moment donné précis de demande de virilité, de demande de shot de testostérone. Et il offre ça aux Américains à un moment où l'Amérique, et c'est aussi son discours, craint de décliner. Et donc on est dans un président assez typique, paradoxalement, qui s'inscrit effectivement dans Theodore Roosevelt, dans même Kennedy, dans Ronald Reagan, dans George Bush après le 11 septembre, d'un président qui à la fois cible des ennemis, en l'occurrence par exemple la Chine ou l'Iran, qui propose une solution très virile, très masculine, avec un discours très identitaire aussi qu'on retrouvait chez un Theodore Roosevelt, par exemple, qui considérait que les migrants d'Europe méditerranéenne allaient souiller la race blanche américaine. Donc il y a des trucs. Alors après, il ne s'agit pas absolument de faire l'historien qui dit « ça a l'air neuf, mais ce n'est pas neuf ». Il y a quand même des éléments inédits chez Trump. Ça, c'est clair, hein, sa manière de communiquer, sa manière même de critiquer ses prédécesseurs, tout ça est nouveau. Mais moi, j'essaie au contraire de la placer dans une histoire cyclique. Et c'est ça l'intérêt. Peut-être ce livre, en fait, j'ai voulu qu'il existe en poche aujourd'hui pour précisément inscrire Trump dans une histoire cyclique de la présidence américaine. Moment de virilité, moment d'empathie. Ça marche plutôt bien et ça raconte une autre histoire de l'Amérique.